L'Évangile dans une famille peut faire toute la différence face aux exigences de cette vie. La famille de Guy et Lise Dupont, que nous avons rencontrée, vont nous en parler de cette paix, de cette joie qui peut venir dans une famille grâce à l'Évangile. C'est pas toujours facile. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des mauvais jours. Mais avec Dieu, on peut tout vaincre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Nous avons encore le plaisir de vous offrir deux choses. La plus belle de toutes, je pense, pour votre vie, c'est de lire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, on l'appelle « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Et aussi, c'est un Nouveau Testament en français courant. Et il y a une bonne quantité grâce aux bienfaits de la Société biblique canadienne. Nous voulons en effet les remercier de tout cœur pour ces dons de la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas un Nouveau Testament à la maison et que vous aimeriez faire la demande de Bonne Nouvelle aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de composer les numéros qui vont paraître au cours de l'émission au bas de l'écran. Il y a un numéro tout près dans votre région. Composez-le et demandez le Nouveau Testament Bonne Nouvelle aujourd'hui. Il y a aussi À la recherche de Dieu. C'est un livre par Richard Bennett. Ce livre est traduit dans plusieurs langues et il est distribué par des milliers de copies à travers le monde. Et déjà ici au Québec, plusieurs en font la demande. Nous vous l'offrons, c'est gratuit. C'est un cadeau. C'est rare, ça, un cadeau, quelque chose qu'on n'a pas besoin de payer. Eh bien, toute la Bible en parle, nous vous l'offrons. Et c'est gratuit. Simplement, vous pouvez nous appeler ou même après l'émission, si vous voulez continuer à appeler, ce sera un message enregistré. Vous pouvez noter l'adresse à la fin aussi. Êtes-vous prêts? Nous nous rendrons maintenant tout auprès de Guy et de Lise Dupont de Trois-Rivières. Rendons-nous auprès d'eux. Écoutons leur témoignage. Lise et Guy Dupont de Trois-Rivières. C'est bien ça, Trois-Rivières? Saint-Louis-de-France. Saint-Louis-de-France. Bon, c'est tout près, une petite banlieue de Trois-Rivières. Ouais. C'est ma ville natale, aussi bien de le dire en partant. Ça me fait énormément plaisir de vous accueillir ici. C'est toujours le même fleuve, hein? C'est combien de milles de kilomètres ici? Je sais pas, de Trois-Rivières. De Trois-Rivières, c'est le fleuve Saint-Laurent. Donc, Trois-Rivières est sur le fleuve Saint-Laurent aussi, sur la rive du fleuve Saint-Laurent. En tout cas, ça prend une heure et quelque chose. C'est ça, une heure et quelque chose. Oui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à Toute la Bible en parle. Et puis, est-ce que tu voudrais nous rappeler, Guy, comment on s'est rencontrés autrefois, juste pour faire le point? C'est avant même que tu rencontres ton épouse, je pense. Oui, c'est avant que je connaisse mon épouse. Mais je pense que c'est à Sherbrooke, à l'Institut biblique Bethel, dans une période de camp. Et puis, je pense que tu étais prédicateur à cette époque-là. Et puis, ça faisait pas tellement des années que j'avais accepté Jésus comme mon sauveur personnel. J'étais très jeune. Et puis, c'est là que je t'ai rencontré la première fois. Et j'avais entendu parler de toi parce que tu viens quand même de la même région, Trois-Rivières, et puis tu as fréquenté la même assemblée chrétienne que je fréquente encore présentement. Il y avait une affinité qui s'était développée entre nous. Je me souviens, dans un autre camp, nous sommes allés en canot ensemble, on avait parlé de ton expérience, comment tu vas trouver cette nouvelle vie. Et puis aujourd'hui, vous êtes parents de... Cinq enfants. Cinq enfants. Faut le dire, hein? Cinq enfants, puis l'aîné à quel âge? On va avoir 9 ans au mois de septembre. Alors, ils se suivent, sont prêts, là? Oui, c'est assez prêt. Ouais. C'est ça que j'ai dit dans mon temps. J'ai dit, ça va faire 10 ans qu'on est mariés, puis on a 5 enfants, donc ça a roulé. Et puis, Lise, il est inutile de vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, puisque vous avez une vie qui est tellement bien remplie, là. Oui, c'est sûr. Comme maman, et puis... Oui. Présentement, je suis à la maison. J'ai eu un emploi. Je suis en congé sans solde avec mon Vous aviez un emploi aussi? Oui, je travaillais au gouvernement du Québec, au ministère du Revenu. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'étais technicienne en vérification fiscale. Oui. Ouais. Là, je suis en sans solde depuis une couple de bébés, là, fait que... Hey, je suis content d'apprendre ça. Moi, j'ai tout à apprendre de vous. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ce contact, le privilège de vous rencontrer. Et qu'est-ce que tu fais, Guy, toi? Moi, je travaille au Cap de la Madeleine pour la compagnie Reynolds Aluminium. Ah oui. Tout le monde connaît ça à Trois-Rivières. Oui, c'est connu. C'est une grande compagnie. Ils font du papier aussi? Non, c'est l'aluminium, du papier aluminium. Ils font du papier d'emballage. D'emballage. Puis ils font aussi du métal
plus épais pour faire des panneaux routiers, puis, ouais. Des compagnies qui transforment l'aluminium. Oui. Bien, on va commencer avec Lise. Ça m'intrigue parce que je connais un petit peu le témoignage de Guy, mais on revient à Guy dans un instant. Et Lise, racontez-nous comment vous viviez autrefois. Quel est votre cheminement spirituel avant d'être ce que vous êtes maintenant dans le Seigneur? C'est passé beaucoup de choses. Avant de connaître le Seigneur, pour moi, ben, je croyais en Dieu, mais je ne pratiquais plus. Je n'allais pas à l'église. Puis c'est moi qui décidais qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Je m'étais fait un genre de vie comme ça. Je cherchais un peu ici et là, dans les journaux, des pensées pour m'aider. Puis... Mais ça allait pas tout le temps bien, même. C'est ça, j'avais un journal, puis je lisais ça un peu, voir qu'est-ce que je marquais dans ce temps-là. Puis, vous écriviez votre propre ouais, journal. C'est ça. Ça nous permet d'aller en arrière. C'est ça. C'est comme ouais, ça que vous évaluez votre vie. Ben oui. Puis là, dans ce temps-là, c'est ça, j'avais écrit, puis c'est ça, je relisais ça, puis je voyais que ça allait pas bien. Je voyais qu'il y avait un... Je marquais, j'étais barricadée par le mal. J'étais pas satisfaite de la vie. Là, vous avez encore ce journal-là? Oui. Il faut garder ça, hein? Oui, je voulais montrer ça à mes enfants, puis oui, voir que c'est pas... Hein? Ouais. Vous l'avez fait, ça? Oui. Vous l'avez montré à vos enfants? Bien, je l'ai pas montré encore, parce qu'ils sont jeunes, ouais. Mais continuez. Ça m'intéresse de savoir comment Dieu se révélait à vous un peu par votre journal, au fond. Oui, bien, Dieu s'est... Vous voulez prendre conscience. Bien, dans ça, j'écrivais, c'est sûr, mes pensées. Je pensais à Dieu souvent, mais je connaissais pas personnellement. Je connaissais pas la Bible. Puis pas rien que par le journal, à un moment donné, c'est ça. J'ai lu, ça a été la première pensée, peut-être vis-à-vis du Seigneur vraiment qui m'a touchée. J'ai lu un testament de quelqu'un. Puis c'est ça, le testament, pour moi, je me suis dit, c'est quelque chose de matérialiste. Il va laisser ses biens. Puis j'ai dit, j'ai lu ça, puis ça m'a touchée. C'était pas comme ça. Puis j'étais pas un chrétien, je connaissais pas, là, la personne, je connais pas non plus. Puis j'ai gardé ça, puis ça, je peux vous lire ça, si vous voulez. Vous avez encore ça avec vous, hein? Oui. Vous voulez nous le partager? Qu'est-ce oui, qui était écrit là-dedans? Oui, c'était vraiment bon. Ça m'intéresse, ça va, sûrement. C'était marqué « Placez à mon côté ma plume, sur mon cœur le Christ, mon orgueil. Sous mes pieds, mettez ce volume et clouez en paix le cercueil. Après la dernière prière, sur ma fosse, plantez la croix. Et si l'on me donne une pierre, gravé dessus, j'ai cru, je vois. Dites en vous, il sommeille, son dur labeur est achevé. Ou plutôt, dites, il s'éveille, il voit ce qu'il a tant rêvé. J'espère en Jésus sur la terre, je n'ai pas rougi de sa loi. Au dernier jour devant son Père, il ne rougira pas de moi. Puis ça m'a touchée, je me suis dit... Hey, moi, je le confesse pas, le Seigneur, dans ma vie, là, oui, tu sais. Puis j'ai dit, mais j'arrive l'autre bord, hein, il va me refuser. Fait que là, j'ai dit, bon, mais là, je pars avec ça, je vais confesser le Seigneur. Puis j'ai confessé à un ami que j'ai dit, bon, mais là, je crois en Dieu. Mais j'avais rien à dire, je connaissais rien. Puis c'est ça, le Seigneur m'a fait rencontrer un chrétien qui m'a parlé de la parole. Puis c'est ça, il m'a parlé du Seigneur, puis il m'a amené à des réunions, puis... C'est ça, tu sais, là, j'ai vu vraiment, j'ai connu... Là, aujourd'hui, je peux dire, là, moi oui, aussi, là, je crois oui, que c'est le Seigneur. C'est merveilleux, ça. Oui. Je trouve ça tellement beau. Oui. De voir que Dieu se sert des fois... C'est même pas un verset qui vient à l'intérieur de la Bible, là, mais que Dieu est capable de se servir de tout pour vous appeler à lui. Ça, c'était vraiment le premier contact de votre cœur, votre conscience oui, avec Dieu. Ça. Je voyais là, qu'il n'y avait pas... j'avais pas ça, moi. Je me disais, comment quelqu'un peut dire « Christ, mon orgueil ». Moi, je dis, mon orgueil, c'est ma réussite, mon travail. Tu sais, je voyais pas ça. Puis là, bien, c'est ça. Suite à ça, bien, là, les gens m'ont présenté l'Évangile. Puis sur le coup, bien, je me disais, bien, je parais comme vous autres. Je crois en Dieu, puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu comme un genre d'épreuve. Le Seigneur a permis que... Un ami me laisse, puis là, j'ai eu la pensée, ah ben là, je laisse tout ça là. Puis là, je me suis dit, Seigneur, vois ça. Puis là, j'ai dit, il voit que je suis pécheresse, puis il voit, il pourrait me laisser là, là. Puis là, j'ai dit, il ne voudra plus de moi. Puis je lisais quand même dans la Bible, puis à un moment donné, c'est ça, je suis tombée sur le verset qui dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mm. Puis ça m'a vraiment touchée, puis je suis venue au Seigneur. Oui, c'est ça. Ceux qui aimeraient aller voir Jean 6, 37. C'est tellement beau, Lise. Je viens de comprendre que ça, c'est indépendamment de la conversion ou même avant de connaître Guy, tout ça ouais, s'est passé. C'est ça, oui. J'ai un petit peu un vu an ça, avant. Là. Oui.
On va revenir à ça tantôt. Là. Comment ça s'est produit par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé pour continuer les transformations qui pouvaient y avoir à l'époque? Et Guy, toi, c'est un cheminement différent. Oui, c'est différent. Excusez. C'est que j'ai connu une famille de personnes qui avaient accepté le Seigneur véritablement dans leur vie. Et puis, donc, ça m'intéressait pas. Ces choses-là m'intéressaient particulièrement pas, là. Mais j'étais ami avec un des membres de la famille. Donc, c'était une grosse famille de 13 enfants. Pour pas les nommer, peut-être de Trois-Rivières, la famille Savard. Ah oui, oui, je pense que tu connais bien. Oui. Et puis, j'étais ami avec un des membres de la famille. Et puis, lui, ben, sans pour autant dire qu'il était marchait dans le monde. C'était pas un méchant garçon, mais il était pas chrétien comme ses parents, puis peut-être ses autres frères et sœurs. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on pouvait s'entendre bien. Mm-hmm. Et puis, j'avais 10 ans à cette époque-là. Fait que c'était mon premier contact avec des chrétiens. Mais ça m'intéressait pas. J'ai rencontré des chrétiens qui me parlaient avec la parole de Dieu, qui rouvraient la Bible. C'était la première fois que des gens prenaient la Bible comme ça, puis ils citaient des passages, peut-être à 6 pouces du nez dans le temps. Quand on est habitué à considérer la Bible comme un livre saint, puis c'est toujours un livre saint. Souvent, c'est marqué la Sainte Bible, hein? C'est ce qui est écrit sur la Bible. Mais là, tu la voyais de très près, cette Bible-là, cette vérité. Oui. Mais c'était des gens convaincus de ce qu'ils croyaient, puis ils voulaient tellement nous convaincre, puis nous autres, on n'était pas prêts pour ça. Mais en fin de compte, c'était quand même là le premier contact. Mais ce qui est arrivé, c'est là où ça a vraiment débuté, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai passé proche de la mort à un cheveu, peut-être. Donc, Seigneur, il y avait probablement, puis même pas probablement, certainement des chrétiens qui priaient pour moi. Et puis, il y avait beau me parler de la parole de Dieu, ça ne m'intéressait pas. Mais là, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui priaient pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé, Guy? Dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est pas autant peut-être, j'étais un gros mangeur. Je mangeais beaucoup, puis je mangeais pas bien. Et puis, j'avais mal mangé. Et puis, ce soir-là, c'était en été, comme là, j'ai fait une indigestion aiguë. C'est la première fois que je faisais ça, une affaire de même. Mm-hmm. Et puis là, je me suis vu partir. Là. J'étais convaincu que j'étais pour mourir. Parce que j'avais tombé peut-être 2 ou 3 fois sans connaissance. Oui. Je pouvais plus rester à la maison. Il fallait que j'aille dehors, comme une journée comme aujourd'hui. Puis, j'étais dehors. Puis dans mon expérience de vie, j'avais un camarade plus jeune qui était mort noyé. Et puis le Seigneur a tout ramené ça à ma mémoire. Ce camarade qui était mort noyé. Et puis, moi, je me voyais, moi aussi, partir. Puis dans mon esprit, j'étais convaincu que la mort, c'était pas la cessation de la vie, mais que vraiment, il y avait quelque chose après. Mais je savais pas quoi. Mais je réalisais que s'il avait fallu que je meure ce soir-là, puis j'étais convaincu de ne pas passer la nuit, j'étais convaincu de m'en aller, que je savais pas où est-ce que j'allais. Puis tout en regardant la nature, les étoiles, puis tout ça, la grande univers qui nous entoure, j'ai réalisé qu'il y avait un être puissant en arrière de tout cela, puis qui m'avait créé moi-même, qui m'avait donné une intelligence, puis que si j'étais quand même assez intelligent pour raisonner toutes ces choses-là, lui est encore plus intelligent, c'est lui qui l'avait fait. J'ai réalisé que si je pouvais me comprendre, bien, c'est lui qui avait fait les oreilles, fait qu'il pouvait m'entendre. En fin de compte, c'était son travail qui s'opérait dans ma vie. Ben là, j'ai parlé à Dieu. Je l'appelais pas Dieu, je l'appelais l'être puissant. Ah oui. L'être tout puissant. Là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je réalise que je vais mourir, je sais pas ce que je vais. Je te demande de m'éclairer. Mais en fin de compte, ce que je lui ai demandé, c'est que, sachant que j'étais malade, puis étant convaincu que j'étais pour passer de la mort à la vie, je lui ai demandé du temps. Mm-hmm. J'ai dit, donne-moi une semaine, un mois, je sais pas, mais le temps nécessaire pour savoir où je vais. Lorsque je vais mourir, à quel endroit je vais me trouver? Le ciel, l'enfer, je croyais à ça plus ou moins. J'en avais entendu parler, mais je n'étais pas convaincu que ça existait vraiment. Et puis, j'avais fait un pacte avec Dieu dans ce sens-là. Et puis, là, Dieu a répondu à ma prière. Il m'a redonné la santé. Et puis, c'était à l'époque où les astronautes ont mis pied sur la Lune. En 1969. J'ai pensé peut-être que ça se trouvait dans les astres ou dans l'astrologie, ou je ne sais pas, l'astronomie. Mais en fin de compte, dans mon cheminement passé, vu que le Seigneur avait permis que je connaisse des gens qui lisaient la Bible, j'ai dit, tiens, pourquoi pas commencer avec ces gens-là. Ils lisent la Bible, fait qu'on va aller les voir. Peut-être qu'ils ont quelque chose pour moi. Fait que je suis retourné voir la personne en question. Et puis là, elle a dû avoir vu un changement.
Parce que je suis arrivé là avec deux questions. Je lui ai dit, écoutez, vous lisez la Bible. Puis cette personne-là, un point très important que je veux mentionner, elle m'intriguait beaucoup. La mère du gars avec qui je me tenais, là, Mme Savard, m'intriguait beaucoup parce qu'elle disait, je suis donc heureuse. Parce que lorsque je vais mourir, je m'en vais au ciel. Lorsqu'elle disait ça, je disais, ouais, c'est assez prétentieux d'affirmer une chose de même lorsqu'on sait que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils vont. Elle le savait. Je lui ai demandé, est-ce que vous prenez ces choses-là dans la parole de Dieu? Ça fait que c'est une chose aussi qui m'a attiré à retourner la voir parce que c'était exactement la question que je lui posais. C'est qu'est-ce que c'est qu'on fait sur la terre comme individu? Dieu nous a créés. Pourquoi il nous a mis sur la terre? Puis la deuxième question, c'est après, est-ce qu'on va mourir? Parce qu'on sait que tout le monde va mourir. Où est-ce que c'est qu'on va? Et tout ça a servi à vraiment ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu te souviens de l'heure et du jour? Souvent, les gens s'en souviennent, d'autres ne s'en souviennent pas parce que ça s'est fait graduellement. Mais le moment précis où tu as vraiment réglé cette question spirituelle avec ton Dieu, est-ce que tu t'en souviens? Pas exactement. Non. Je peux te dire que c'est dans une période chaude, une période d'été. Un certain temps, là. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'allais là, c'était pour aller chercher mon camarade. Fait que mon camarade, bon, il disait, « Bon, Guy, t'en viens-tu, là? Je m'en vais. Vas-y, je vais te rejoindre. » Je restais à la maison, on parlait avec les grandes personnes, j'avais 15 ans, puis je parlais avec les parents de ce type-là. Et puis il y avait un évangéliste, là, une personne qui connaissait la Bible, puis qui était capable de la défricher. Puis je passais à m'éveiller là. C'est comme ça, finalement, que ta vie a été transformée. Tu as parlé du changement, vous avez parlé, tantôt j'ai dit qu'on reviendrait à ça pour les deux ou prochaines minutes qui nous restent de notre entrevue. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Lise et Guy Dupont, d'accepter Jésus comme sauveur? Quelle transformation que ça a pu faire, par exemple? Oui, bien, il y a bien des choses que ça a changé. Le premier, bien, je fumais. Le Seigneur m'a délivré de tout ça complètement. Vous n'êtes pas fâché de ça, non? Non, plus, j'étais bien contente parce que c'était vraiment. Quelle délivrance, c'est difficile. C'est quelque chose. Oui. Puis, le Seigneur m'a donné sa paix. Quand on a des épreuves, on a sa force. On a. Le Seigneur m'a tout donné. C'est vraiment. C'est une grande transformation avec le passé. Dans toute notre manière de penser, c'est ça. Ça dit que c'est une nouvelle personne. Fait que tout change. Puis, Est-ce que pour toi, les transformations sont assez évidentes aussi dans ta vie depuis que tu as confessé le Seigneur comme sauveur? Pas aussi évidente que mon épouse, parce que j'ai connu le Seigneur, j'étais jeune. Assez jeune, oui. J'ai jamais été vraiment un mauvais garçon. Mais le changement que moi, je ressens à l'intérieur, c'est la joie. Oui. La joie de connaître le Seigneur. Puis dans votre famille, il y a tout... vous en avez 5 à la maison. Le plus jeune a... 9 mois. 9 mois. Bientôt. Alors, c'est encore à venir, mais pour comme la plus âgée, l'aînée, est-ce qu'il y a des enfants qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel? Est-ce que vous voyez un intérêt comme ça chez eux? Mais la plus vieille dit avoir accepté le Seigneur. Justement, je parlais avec elle ce matin, je disais ça qu'on venait à une émission comme ça. Je dis, toi, qu'est-ce que tu dirais si tu en auras? Elle dit, je dirais que ma mère m'a parlé du Seigneur quand j'étais jeune, puis que c'est ça, elle dit avoir accepté le Seigneur. Puis on a beaucoup de joie de les voir grandir dans le Seigneur, bien, de les voir avec nous autres, pouvoir partager la parole, puis voir qu'il y a un intérêt aussi de leur part, là. C'est bon. Eh bien, on va terminer là-dessus. C'est tellement encourageant d'entendre ça, que le Seigneur puisse bénir votre famille, puisse bénir toute la belle région de Trois-Rivières et Cap de la Madeleine et Saint-Louis-de-France, tous les autres autour, que nous leur souhaitons beaucoup, beaucoup de bonheur dans le Seigneur aussi, que les gens puissent entendre l'Évangile et ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, comme vous l'avez fait. Merci beaucoup. Merci. C'était Guy et Lise Dupont de la belle région de Trois-Rivières. Et puis, on vous dit un beau bonjour encore une fois, puisque vous êtes à l'écoute régulièrement. Et plusieurs de nos parents, nos amis sont là dans la belle région de Trois-Rivières. Et nous en profitons pour vous dire un beau bonjour. Nous allons, comme on le fait toujours ici à l'émission, vous montrer ce que nous avons à vous offrir. C'est le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Et je ne suis pas fatigué de vous le montrer, de vous encourager à en faire la demande. Et n'oubliez pas aussi « À la recherche de Dieu », qui est un livre qui vaut vraiment la peine de demander. Il y en a une quantité suffisante pour vous. Le livre est ouvert en ce moment parce que je voulais vous lire quelque chose ici. Le chapitre 5
dans le livre À la recherche de Dieu, a pour titre « Quel est le fond du problème? » Quel est le fond du problème? On lit « Au début du siècle, la plupart des gens étaient très optimistes au sujet de l'avenir du monde. Ils croyaient être sur le point d'entrer dans l'âge d'or et de prospérité. » Vous avez déjà entendu ça avant. Ils pensaient voir les bénédictions de cette nouvelle ère dans tous les pays du monde, même dans les pays où le désespoir, la maladie et la misère avaient infligé des souffrances indicibles. Mais, en 1914, les sirènes de la guerre résonnaient dans toute l'Europe. Et ça fait très longtemps de ça, et ces jours-ci, ces derniers jours, nous avons entendu parler de guerre, nous sommes sur le point, toujours de jour en jour, tout le monde vit comme une espèce de qui-vive, et on se demande ce que l'avenir nous réserve. Bien, la paix de Dieu se trouve dans sa parole et dans sa personne. Quel privilège d'accueillir à nouveau le groupe Harmonie, composé de Jeannine Fréchette et Muriel Duguay. Il est écrit dans la Bible qu'un jour Jésus va revenir. Ça, ce sera la paix. Il va revenir sur la terre en personne pour nous en parler. La chanson du groupe Harmonie intitulée « Une place là-haut ». Nous les écoutons. Demain que notre Seigneur revient, que Jésus revient. Si dans ton cœur tu crois que Jésus est mort pour toi, pour moi et pour bien d'autres encore, tu seras sauvé, toi et ta mère. Maintenant tu n'as qu'à le laisser agir. Il fera de toi sa plus grande joie. Je peux te le dire. La 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 la. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, si tu as marché selon tout ce qu'il t'a prescrit, au jour de son retour, tu t'élèveras vers lui. Tu t'élèveras vers lui. Jésus est parti me préparer une place. Oui, il est parti te préparer une place auprès de son Père, où il n'y a plus de frontières, là-haut dans la lumière. Il est parti me préparer une place. Il est parti te préparer. Nous préparer une place à la table du festin, aux noces de l'agneau, aux noces de l'agneau. Et nous ne serons plus jamais séparés de lui. On va pouvoir connaître son amour. C'était Jeannine Fréchette et Muriel Duguay du groupe Harmonie. Avez-vous reconnu la chanson? Peut-être des milliers ont reconnu Jeannine et Muriel à la télévision dernièrement lorsque ces émissions spéciales de Mission Québec ont été jouées. Et c'est ça, c'est la chanson qu'on retrouve aussi sur une des cassettes qu'elles ont faites. Elles en ont fait quatre, je crois. Et c'est sur la dernière qui a pour titre « Harmonie ». J'ai vu ici que la chanson qu'on vient d'entendre, « Une place là-haut » est là, sur la cassette. Donc, peut-être il y en a qui vont pouvoir continuer à écouter ces beaux messages.
Il y a un passage ici, on parle de ne jamais plus laisser l'amour de Dieu. J'aimerais cette fois-ci lire quelque chose du Nouveau Testament en français courant. C'est dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35. L'apôtre pose la question, « Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? » Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La souffrance? Le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution? Tiens. La faim, la pauvreté, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort. Tout le long du jour, on nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous vous offrons le Nouveau Testament. C'est une bonne nouvelle. Il est à vous, ce Nouveau Testament. Il vous suffit d'en faire la demande. Vous pouvez demander aussi à la recherche de Dieu, ou tous les deux, et il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. Qu'est-ce qu'on va avoir à la prochaine émission? Toute la Bible en parle. Eh bien, dès la prochaine émission, nous aurons le plaisir d'accueillir ici Jacques Coutu du groupe Renaître et nous serons là, vous aussi. À bientôt!